Parmi ces livres qu'on peut situer dans le cycle américain, il y a aussi L'or. L'or, l'histoire du général Sutter, que À vous avez évoqué l'histoire. déjà dans Le Panama ou L'aventure de mes sept oncles. Et c'est un livre que vous avez mis très longtemps à écrire, je crois. Vous l'avez transporté partout. J'ai mis une dizaine d'années à le sortir. Mais c'est la Mais personnalité je de n'ai pas Sutter. travaillé durant 10 ans. Durant 10 ans, j'ai eu envie de faire le bouquin, mais je n'y travaillais pas. De temps en temps, j'y pensais et j'aurais eu 1000 fois l'occasion d'aller fouiller les archives à Washington ou ailleurs. Je ne l'ai jamais fait. J'ai écrit ce livre sans aucune espèce de document, sans consulter aucun document, sans avoir jamais un document d'époque sous les yeux, sauf un portrait populaire de Sutter qui avait paru dans un journal californien. Et que vous publiez sur la page de... Non, non, non. Celui que j'ai publié dans la dernière édition du bouquin, qui est l'édition du centenaire de la découverte de l'or en Californie, 1944. Et ce portrait-là est un portrait authentique fait sur place par un peintre suisse qui s'appelle Buxer, qui était un élève de Delacroix, qui a beaucoup voyagé dans le nord de l'Afrique, en Algérie, au Maroc, puis qui était passé aux États-Unis, en Californie, où il a rencontré Sutter au sommet de sa puissance, qui lui a commandé son portrait. Comme vous pouvez le voir, il a un beau chapeau Panama sur la tête, une chaîne d'or qui fait plusieurs fois le tour de son gilet, etc. Mais entre-temps, la catastrophe était arrivée, c'est-à-dire on avait découvert des mines d'or sur les terres de Sutter, et Sutter était ruiné, si bien que ce brave Buxer est rentré dans son petit pays de Soleure, Suisse, le portrait de Sutter a roulé sous le bras, qu'il a accroché dans un bistrot de Soleure, et où il jouait aux cartes tous les soirs avec les copains, et quand on lui a remarqué que cet admirable portrait s'enfumait, s'abîmait, il me disait, ben, tant mieux, cette espèce de salaud ne m'a jamais payé. Ce portrait de Sutter par Buxer se trouve aujourd'hui au musée de Soleure. Je ne le connais qu'en reproduction. J'ai traversé Soleure une fois, mais je ne me suis pas arrêté, j'avais autre chose en tête. Puis j'étais en voiture, il faisait beau, la voiture gazait, j'avais en tête d'aller faire un admirable petit déjeuner en bas de campagne. Il y avait encore le Jura à franchir, c'est bien que je ne me suis pas arrêté pour les voir sur terre, en me disant que je le ferai une autre fois, mais je le ferai sûrement un jour, je ne sais quand. Mais cette histoire de Sutter n'est pas terminée. L'histoire sous terre, elle ne sera jamais terminée parce qu'il a laissé des héritiers, lesquels héritiers revendiquent la succession. Et alors, c'est une histoire qui enrichit déjà plusieurs générations d'avocats. Mais de ce livre qui s'appelle L'Or, on a tiré plusieurs films. De ce livre qui s'appelle L'or, on a tiré plusieurs films avec autorisation et sans autorisation. De ce livre qui s'appelle L'or, on a tiré plusieurs pièces de théâtre. De ce livre qui s'appelle L'or, est née toute une littérature concernant Sutter, si bien que depuis que mon bouquin a paru, on a publié au moins une dizaine de volumes d'archives. Ce qui restait, le fragment qui restait du journal de Sutter, le journal d'un fameux voleur de chevaux qui s'était mêlé du pillage, le journal d'un ouvrier qui a travaillé chez lui, le journal du dentiste qui avait épousé sa fille. Enfin, ça n'en finit plus. Toute cette Grave. région-là, est devenue une région historique pour les Américains. Pour la route de la Victoire vers Verdun, on a construit, on a installé les bornes de la Victoire. On a installé des bornes sur la piste qui menait à travers les montagnes rocheuses à la mine de Sutter, à Fort Sutter, à la mine d'or. Ce qui reste Vous y êtes allé vous-même? Oui, oh, j'étais même bien avant tout ça. J'ai traversé par hasard. Et ce qui reste de la ferme était transformé en musée. Et l'année dernière, il y a 44, il y a donc 4 ans, 6 ans déjà, comme le temps passe, l'administration des postes américaines pour célébrer le centenaire de la ruée vers l'or a même émis un timbre-poste spécial. Par contre, bien que je m'en sois occupé très activement à plusieurs reprises, la ville de San Francisco n'a pas encore la statue de Sutter.
Mais alors, toutes ces histoires sont terminées maintenant, sous terre est réhabilité complètement. Ah non, elle n'est pas terminée tant que Souterre n'a pas sa statue. Et je tiens absolument à ce que Souterre ait sa statue et à San Francisco sur la place qu'on appellera la place Souterre. D'ailleurs, avec ou sans statue, cette affaire Souterre, ce procès tout Souterre, ne se terminera jamais. Voilà un cas où, contrairement à l'affaire Casanova, où l'on avait un manuscrit et le livre n'est pas sorti, ici nous n'avons pas de manuscrit original, mais le livre a été fait. Oh, mais personne n'a jamais eu le manuscrit entre les mains. Mais non, le manuscrit de Casanova appartient à Peter, l'éditeur de musique à Leipzig, qui le tient dans son coffre depuis la mort de Casanova, qui l'a laissé consulter 2-3 fois en un siècle, il n'a jamais autorisé à en prendre copie, et l'édition courante, le texte universellement connu de Casanova, est un texte traduit de l'allemand et n'est pas du tout le texte de Casanova. Casanova écrivait une espèce de français macarolique, bourré d'italianisme, de termes de patois vénitien. Il est impubliable tel qu'il existe, n'est-ce pas ? Et alors, c'est... Tenez-moi une allumette tout de même. C'est un Allemand qui a traduit, en qui Peters a eu confiance vers 1860, enfin, les dates, je ne suis pas très fort sur les dates, peu importe, enfin, vers cette époque-là. Merci. Ah, il brûle, cette allumette. Et un nommé Laforgue, qui n'est pas Jules Laforgue, un nommé Laforgue, professeur de français en Allemagne, a traduit Casanova de l'allemand en français. Et votre édition de La Sirène est établie. Mais c'est celle-là. Elle est établie sur l'édition allemande. Il n'y en a pas d'autres. Et vous êtes allé jusqu'au bout à La Sirène, vous avez publié intégralement les mémoires de Casanova. Intégralement, c'est l'édition la plus complète qu'on ait publiée à ce jour, qui est l'œuvre de toute une équipe d'érudits, lesquels érudits appartenaient à 7 nations différentes. Enfin, les grands spécialistes de Casanova ont tous contribué à l'édition de La Sirène. Et vous avez fait un travail considérable à La Sirène, là. Vous avez publié des quantités d'ouvrages. Non, La Sirène, c'était une bonne petite maison d'édition qui marchait bien. C'est le succès qui l'a tué. Parce que le succès nous gagnait de vitesse. Le succès nous gagnait de vitesse, si bien que la caisse était toujours vide. La caisse était toujours vide, vu que l'argent des libraires est très lent à rentrer. Et si on n'a pas des crédits de banque, on ne peut pas faire de l'édition. Mais c'est là que vous avez publié Les Sept Oncles avec des dessins de Léger, c'est à La Sirène. Je vais publier à La Sirène, moi, personnellement. Je n'ai publié qu'une petite plaquette que vous mentionnez, la petite plaquette du Panama, et puis un petit album avec Léger, l'anthologie nègre. La première édition a paru à La Sirène. Mais à part ça, je faisais une maison d'édition, c'était pas pour m'éditer. Mais pour éditer tout le monde, j'en ai édité beaucoup. Dans l'Autréamont. Oui, c'est vous qui avez... L'édition populaire de l'Autréamont, ça se vendait 100 sous, je crois. Enfin, on a fait du bon travail. Et ce Casanova, maintenant, on ne le trouve plus, enfin, il est... Alors, ce qui est devenu le manuscrit de Casanova conservé dans le coffre-fort de Peters, alors ça, personne ne sait ce qu'il est devenu, et on en a perdu toute trace depuis ces terribles bombardements aériens qui ont détruit tant de villes en Allemagne, dont Leipzig. Il est possible qu'il ait été mis à l'abri dans une... cave ou dans une grotte, peut-être qu'on le retrouvera un jour, je ne sais pas. Pour l'instant, il a disparu. Parmi ces aventuriers dont vous avez parlé, il y en a un qui est aussi extraordinaire et dont il est difficile de trouver des traces dans les dictionnaires, c'est Niccolo Manucci. Manucci ne figure pas dans le dictionnaire. Je l'ai cherché en vain dans une édition de Larousse. Toutes les citations que je donne dans la grande bibliographie de Firmin Didot. Et ce livre, où le trouve-t-on? Vous l'avez découvert à Londres dans... Non, le livre a paru en édition anglaise. On le trouve chez Murray à Londres, en 5 volumes. Et c'est à Londres que vous l'avez découvert? Non, je l'ai... La première fois, j'ai feuilleté les estampes du manuscrit, qui accompagnait le manuscrit, des estampes hindoues, au cabinet des estampes nationales à Paris, qui le conserve.
Et vous avez souhaité qu'un éditeur s'intéresse à ses mémoires et les publie. C'est fini, c'est fait, c'est là. Ça a été fait, oui. Mais je dis, Murray à Londres. Oui, mais en France, aucun éditeur français ne s'est intéressé à la question. Bon, ça ne vaut pas la peine, c'est fini. En France, il était connu, c'était le livre du 18e qui a eu le plus gros tirage, sous le titre du Grand Mongol. Entièrement fait et revu par un père jésuite qui a supprimé la moelle. Toutes les belles histoires, les belles anecdotes de Manucci. Et dans toutes ces bibliothèques que vous avez fréquentées dans le monde, citez en particulier celle de Bratislava, où, dites-vous, existent les plus extraordinaires grimoires de sorcellerie. C'est curieux que vous me demandiez ça, parce que aujourd'hui même, l'ami Pierre Segers, l'éditeur, m'a raconté avoir recherché cette collection de bouquins que je cite en Bratislava, que j'appelle moi Presbourg, parce que Bratislava, c'est trop nouveau pour Bibi. Cette bibliothèque appartenait, cette collection de grimoires, de sorcellerie, appartenait au doyen de la faculté de droit, le professeur Gross, qui était déjà fort âgé quand j'étais chez lui. Il y a de ça 20, 25 ans, il avait déjà 75 ans, donc il a dû mourir sûrement, ce qui est devenu sa bibliothèque. Sa collection de grimoires. C'était une bibliothèque privée. C'était une bibliothèque privée, comme en France, vous avez Maître Maurice Garçon, qui a également une très très belle collection de grimoires et procès de sorcellerie et des choses comme ça. Est-ce que c'est là-dedans que vous avez trouvé le journal de Camerère qui... Non. Le journal de Camerère, je raconte où je l'ai cité. Donc le journal de Camerère, celui que j'ai consulté, je trouve à la bibliothèque de la Chambre des députés à Paris. Mais est-ce que vous êtes servi de cette collection de grimoires de Jamais, non. Quand vous parlez, par exemple, de ce qui se passe autour du clos Virgile à Naples... Jamais, non. Non, vous ne vous appuyez absolument pas sur cette documentation. Mais c'est extrêmement curieux ce que vous racontez sur Virgile, sur le tombeau de Virgile. Le Virgile, au Moyen-Âge, même en France, était plus connu comme sorcier que comme poète, je dirais même qu'il était connu que comme sorcier. Alors à Naples, le petit peuple, le bas peuple, y croit toujours. Et ils se réunissent souvent autour du tombeau de Virgile, oui, du soi-disant tombeau de Virgile qui est toujours avant. Non, c'est pas le soi-disant, c'est le réel et authentique tombeau de Virgile qui est toujours à vendre. Alors là, il y a une espèce de mafia qui exploite une escroquerie qui est aussi amusante que la malle du prisonnier espagnol. C'est un coup classique. Oui. Vous l'avez toujours connu, enfin, dans votre enfance, on le vendait, le tombeau de Virgile. Je l'ai connu que dans mon enfance. La dernière fois que je suis allé, quand j'étais du cinéma à Rome, eh bien, une fois de plus, l'annonce passait dans les journaux romains, ce qui m'a bien fait rire. À quelle époque étiez-vous à Rome pour tourner ces films? J'étais à Rome en 1922-23. Est-ce que vous n'avez pas eu l'intention, ou plutôt, est-ce que vous n'avez pas tourné un film sur la vie des bêtes sauvages, sur les fauves, sur les grands fauves? Oh, non, moi j'ai tourné des films sur les fauves en forêt vierge, en Afrique, l'éléphant et au Brésil, le bois, et les oiseaux, les aigrettes notamment. Des documentaires que je vendais à des firmes qui les exploitaient. Et avec le fric que je touchais, je repartais tourner un autre film ailleurs, etc. Qu'est-ce que vous avez tourné à Rome comme film? À Rome, j'ai tourné des quantités de films dont je n'ai pas donné les titres puisque je ne les ai pas signés. Il n'y en a qu'un dont j'ai parlé, qui était la Vénus Noire, et dont le scénario, ça m'est revenu l'autre jour à l'idée, parce que, avec toutes les questions que vous me posez, vous agitez des eaux dormantes au fond de moi, et alors, il m'est revenu que le scénario de la Vénus Noire apparut dans une revue belge, mais je ne sais plus laquelle, une revue d'avant-garde, qu'il a publié en feuilleton. J'ai donné un scénario assez complet où je me suis même permis de donner des indications d'ordre absolument technique sur l'emploi des différents objectifs, notamment. Seulement, je les ai tous faussés pour que les autres ne s'en servent pas. Et sur la chasse aux éléphants, vous avez tourné beaucoup de films aussi. Non, la chasse aux éléphants, j'avais l'intention de tourner un couple d'éléphants en train de couiter. Puisque c'est encore un de ces sujets classiques.
sur lequel les opinions sont très divergentes. Personne n'a jamais vu des éléphants coïtés. D'où la légende qui s'est établie que l'éléphant et l'éléphante étaient des animaux très vertueux. Mais je n'ai pas réussi à tourner, enregistrer le coït de l'éléphant. Par contre, j'ai possédé très longtemps une photo de coït d'éléphant qui m'avait été donnée par Wilhelm Hagenbeck. Wilhelm Hagenbeck, un des frères des fameux Hagenbeck, marchands d'animaux sauvages à Hambourg, qui étaient les grands spécialistes qui fournissaient d'animaux sauvages extravagants les jardins zoologiques du monde entier. Vous avez tourné des chasses aux tigres aussi? Non, jamais. J'ai jamais tourné de chasse parce que j'ai horreur de la chasse. J'allais tourner les animaux chez eux. Mes débuts au cinéma, avant la guerre de 14, quand j'étais opérateur, j'avais fait une série de courts documentaires qui s'appelait « La nature chez elle ». Et alors je surprenais les oiseaux au nid et des choses comme ça. Mais je ne les chassais pas. Mais vous avez chassé le tigre pourtant en Amazone. Je n'ai jamais chassé le tigre. Vous le racontez dans l'histoire Je raconte qu'on m'avait préparé un affût et je suis allé à l'affût pour faire plaisir aux gens qui s'étaient donné le mal de m'installer un affût. Mais je n'ai pas tiré le tigre car, primo, il n'y a pas de tigre long. C'est une espèce de panthère brésilienne. Un joli morceau d'ailleurs. Eh bien, quand j'ai vu, je ne l'ai pas tiré. Alors qu'il était en plein dans ma ligne de mire, pourquoi j'aurais tué un beau léopard pour en faire une descente de lit? Non. Et vous avez raconté vous racontez que lorsque vous étiez à l'affût, vous avez eu la plus grande frayeur de votre vie. Oui, je croyais qu'un serpent me montait le long des jambes. C'était une toute petite grenouille magnifique et jolie qui avait sauté sur mon soulier, qui m'a fait très peur. Très, très peur. Et parmi vos chasses, vous racontez encore une chasse au serpent, qui est une chose assez impressionnante. Une chasse au serpent, au lasso, oui. Au lasso. Oui, c'est une chose extraordinaire à plusieurs points de vue, parce que je ne savais pas qu'on chassait le bois à cheval et au lasso. Mais nous ne l'avons pas attrapé, je ne suis même pas très sûr de l'avoir vu. La victime de cette partie de chasse a été le chasseur, qui était un vieux colonel brésilien qui s'est noyé. Parmi ces aventuriers dont vous avez parlé, ce Jennings, vous ne savez pas ce qu'il est devenu. Vous l'avez revu la dernière fois. Mais non, Jennings, je l'ai revu à Hollywood. Hollywood, il était conseiller de Western. En sortant du bagne, il était devenu le plus grand avocat d'Oklahoma. Ce qu'il était déjà avant d'avoir. Oui, mais enfin, avant de prendre le maquis. Un maquis à la Corse, entendons-nous. Et alors, il était conseiller de Western. Il a eu d'autres histoires, des prises de bec avec la censure américaine notamment. Et il vit toujours, j'ai son adresse. Il a déménagé nombreuses fois et il habite un patelin qui s'appelle Tarzanville. Et où il est avocat? Non, je ne sais pas ce qu'il fait, il est très âgé. Il doit bricoler, s'occuper de cinéma, toujours le nom l'indique, Tarzan. Il a été absolument réhabilité, il a pu reprendre sa profession. Il a été réhabilité, comme il le raconte, par Roosevelt Franklin. C'est ça. Non, pas Franklin, l'autre. Mais est-ce que ces histoires avaient eu un retentissement considérable à l'époque? Quelle histoire? Toutes ces histoires, enfin... Mais c'était la vie coutumière dans le Far West, avant oui. À lui, était célèbre comme pilleur de train. C'est lui qui a fait les plus grands hold-up ferroviaires de l'époque. Mais le livre d'Ol Jennings, comment vous était-il tombé sous la main? Ça, j'en sais rien. Je vous ai déjà dit que je suis qui a été plusieurs fois intoxiqué pour la lecture. Et que je lis tous les bouquins qui me tombent entre les pattes. Eh bien, j'ai lu le bouquin d'Ol Jennings, je ne sais où, une édition que bien des Américains ne connaissent pas et que j'ai fait parvenir à Henry Miller il n'y a pas un mois. Henry Miller, vous avez été un des premiers aussi à parler de lui dans Or. Miller est un bon ami d'Américain. Vous l'avez rencontré à La Ruche? Je l'ai rencontré à Paris, non, pas à La Ruche. Villa-Sera. Il y a très très longtemps. Non, je l'ai rencontré en 1930. On a beaucoup bu ensemble.
C'était plutôt un ivrogne qu'un écrivain, sinon je l'aurais pas supporté. Mais où est-il en ce moment? Il s'est retiré dans le sud de la Californie, dans un bled qui s'appelle Big Sur, le Grand Sud. Et vous êtes en relation, en fait? Oui, nous écrivons. Est-ce qu'il a l'intention de revenir en France? Oui, il l'annonce, j'ai déconseillé de rentrer. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il est devenu une célébrité mondiale à Paris. Et j'ai pu retrouver mon vieil Henri Miller, avec qui on a bu tant de bons pots. Oui, c'est ce que je crains qu'il tombe dans un encrier. Pas dans l'eau bénite, bien sûr, mais dans un encrier. Mais il continue à écrire tout de même là-bas. Il écrit, beaucoup. Il vient de sortir un grand bouquin qui s'appelle Sixus. Et deux volumes viennent de paraître, il y en a encore quatre qui doivent paraître. Lexus et je ne sais plus quoi. Il s'est marié avec une très jolie femme. Et il a un garçon qui est un très joli petit poupon, je l'ai vu en photographie.